Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Profilement Vôtre, ce 25e opus. Vous avez pu le constater, nous avons démarré l'émission avec un générique. Un générique qui a été exécuté, conçu, réfléchi, réalisé avec de nombreux échanges par les Padawan, c'est-à-dire les étudiants en analyse comportementale et profilage. Ils ont fait un superbe travail. Il y en a un spécifiquement qui a fait la conception de la vidéo. Franchement, moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais j'aime énormément. Donc, ils ont eu la main sur ce projet qu'ils se sont approprié et qui a donné ce résultat que je trouve très chouette et j'espère que vous-même, vous l'appréciez aussi. Donc, voilà, cette émission maintenant est dotée d'un générique, ce qui n'était pas du tout prévu, puisque je l'avais dit à plusieurs reprises que je ne cherchais pas à faire tout un ensemble de choses pour, comment dire, ressembler à tout ce qui est média, entre guillemets. Et le projet a été amené d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est venu naturellement et je n'ai pas pu refuser parce qu'il est vraiment, vraiment très, très bien fait. Enfin, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. J'espère que vous l'apprécierez. Donc, encore merci aux Padawan et à cet excellent travail qu'ils ont mené collégialement. Alors, cet opus va être un petit peu particulier. Il n'y aura pas un profilage d'une personne en particulier. Je n'ai pas choisi quelqu'un à vous mettre en avant d'une manière ou d'une autre ou à vous faire réfléchir sur son profil. Mais plutôt d'un. Vous savez que le profil en vôtre a trois parties. Donc la première, c'est le profilage sur une personne ou un contexte, un événement. Le deuxième, c'est l'escroquerie. Et la troisième, c'est la lorgnette du profiler face à certains éléments d'actualité. Là, j'ai presque envie de manger les deux premières parties ensemble. J'ai presque envie de le faire et c'est amusant parce que j'avais pris des notes. Je prends toujours des notes pour créer ces émissions hein, qui sont sur un cahier que j'ai dans la main. Et mes notes m'ont amené à parler de la notion de la mafia d'autrefois. Et je ne sais pas comment on pourrait l'appeler parce que ce n'est pas une mafia. C'est cette corruption qui nous dirige depuis des décennies et des décennies et qui tranquillement ont semé une toile d'araignée afin de nous amener où nous en sommes aujourd'hui. Et on est au bout du bout, on est acculé au mur, d'un côté comme de l'autre du reste, on est au bout du bout. La question c'est est-ce qu'on a le nez face au mur ou le nez ou le dos au mur? Donc moi je pense très clairement que tout ce qui est les pourritures, ils ont le nez face au mur. Et que nous, par contre, on est dos au mur. Ça change tout. C'est mon opinion. Je pense que certains éléments pourront le mettre en avant. Par contre, il faut se décoller du mur. Ça veut dire qu'il faut continuer à combattre et très sérieusement. Et j'avais noté le code d'honneur de la mafia. J'avais noté qu'autrefois, la mafia, elle avait un code d'honneur, elle avait des valeurs. Cette mafia, elle n'existe quasiment plus. On ne touche pas à la famille. On protège la famille, on protège les siens, ceux qui travaillent pour soi. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux handicapés, etc., etc. On fait du business, on peut, entre guillemets, buter certaines personnes qui nous dérangent, ou parce que ça fait place nette pour X et Y raisons, ou parce qu'ils nous ont trahis, ou parce qu'on veut leur territoire géographique. Mais c'est ciblé. Si vous voyez ce que je veux dire, quand on regarde, on analyse la mafia, elle est ciblée. C'est-à-dire que vous avez une mafia qui va considérer que je veux tel territoire géographique. On va prendre l'exemple de Marseille. Voilà, je veux cet arrondissement en plus. Je fais de la traite de la blanche parce qu'ils étaient ciblés aussi dans des activités. Et ils faisaient des alliances avec d'autres activités sur le même territoire, parfois, où ils prenaient tout le territoire et ils faisaient tout ce qu'il y a à faire sur le territoire. Ça, c'était beaucoup plus rare. Et derrière, il commence par dealer. Bon, je viens de voir, écoute, voilà, qu'on échange, je veux ce territoire. Si la personne n'est pas vraiment très sympa ou si elle ne peut pas voir la personne qui gère le territoire en question, là, elle va plutôt fighter. Et on va aller vers des combats jusqu'à l'exécution du chef ou de toutes les personnes autour du chef ou tout ce qui peut être accessible de façon à ce que ce soit clair et net qu'ils veulent le territoire. Ils n'achètent pas le territoire. Il se l'approprie. D'accord? Et il se l'approprie dans des conditions
pas très honnête, pas très éthique, à prendre des vies la plupart du temps, mais aussi dans la manipulation ou faire des coups tordus ou balancer, ou enfin bref, tout ce qui va permettre de dire je vais lui faire du mal et j'aurai ce que je veux. Et que je peux faire plus s'il ne me donne pas ce que je veux. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ça reste ce qu'on appelle en one-to-one, c'est de d'homme à homme par rapport à clan et clan. Ça, c'est la mafia. Mais il y avait des codes d'honneur, vraiment des codes d'honneur. Il y avait aussi un respect, c'était en général plutôt des gentlemen, ces hommes-là, même s'il y a à boire et à manger dans leurs actions. Quand on prend, par exemple, quand on analyse tout ce qui est lié au trafic d'alcool aux États-Unis quand il y avait la prohibition, par exemple. Regardez la mafia italienne, comment elle se présente, comment elle est. Donc, il y a vraiment une guerre de je fais mon trafic, je fais mon business, tu m'enquiquines pas. Si tu m'enquiquines, on va t'avertir une fois, peut-être deux, mais la troisième, ça va pas vraiment se passer comme ça. Vous voyez, c'était donc, en gros, on arrivait à anticiper, on arrivait à évaluer, on arrivait à se dire, bon, faut pas frotter dans ce sens-là parce que sinon, ça va pas le faire. Il y avait tout un ensemble de comportements que l'on pouvait avoir où on pouvait composer ensemble, sans forcément accepter les méfaits qu'ils font, hein, les trafics qu'ils font et ainsi de suite, mais ça restait, comment dire, j'allais dire gérable, acceptable, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, pour ceux qui avaient cette pratique de la mafia, dans les valeurs, etc. On peut dire qu'il y a eu des nouvelles mafias qui sont arrivées après, qui sont nées pas mal dans les banlieues, par exemple, de droite et de gauche, hein, pas forcément uniquement en France, où il y a eu une autre façon de se comporter qui était moins éthique, nettement moins éthique, nettement moins dans les valeurs, nettement moins dans le respect du business, hein, parce que ça reste un business, la mafia, qui était plus tranchante, plus violente, moins à faire des concessions, à expliquer, à se rencontrer, à dealer même, c'était on tranche, on taille dans la motte, etc. Donc ça a commencé déjà à dériver, mais ça restait encore une fois une guerre entre guillemets de territoire. On restait quand même sur quelque chose qui avait, on arrivait à comprendre les tenants, les aboutissants, les comportements, le pourquoi du comment, les objectifs, les attentes, de gérer sur des profils en se disant tel profil, on sait qu'il peut faire ça ou ça, etc. Que ce soit encore une fois acceptable ou pas, on arrivait à avoir une espèce de ligne conductrice qui se disait, bon, ça reste dans la logique d'eux. Maintenant, j'écrivais cela il y a à peu près un mois. J'ai écrit ça sur mon petit cahier. Je dis, tiens, je vais parler de ça dans mon prochain profil en vôtre, le 25, donc il y a à peu près un mois. Et il est arrivé quelque chose dernièrement qui, moi, personnellement, m'a terriblement choqué. Ça m'a fait mal, vraiment très mal. Et je pense qu'il n'y a pas que moi. C'est ce qui s'est passé à Hawaï. Les images sont d'une violence rare. Sur mon canal, j'en ai parlé, sur mon canal, pas sur mon canal, sur ma page VK, j'en ai parlé, puisque le canal Telegram est davantage dédié aux sciences du comportement. Sur mon canal VK, j'en ai, sur ma page VK, pardon, j'en ai parlé, et il y a une personne qui a mis, ça me rappelle Hiroshima, Nagasaki, en gros. Ça rappelle cela, le Népal. Non, c'était des bombes atomiques, pardon, Hiroshima et Nagasaki. Le Népal au Vietnam, je crois. Oui, c'est au Vietnam, de mémoire. Pardonnez-moi si je fais l'erreur, mais je crois que c'est ça, de mémoire. C'est ce que j'ai en mémoire. Je ne sais même pas si on peut appeler ça le Népal. Les vitres, tout ce qui était acier, tout ce qui était fer, ont fondu. Fondu. On voit des animaux qui sont figés dans leur comportement, qui ne fuient même pas. On ne voit pas l'animal qui courait. Non, il est comme s'il était debout et il a été crispé. On voit l'animal crispé, qui est mort comme un bloc. Il reste physiquement comme un bloc. Mort, même pas brûlé quelque part. Parce qu'il est entier, quoi. Il est vraiment entier dans sa composition, dans sa constitution. Mais juste, on voit bien qu'il ne fuyait pas. Donc, il n'avait pas
l'instinct de dire il y a quelque chose, une catastrophe naturelle qui va arriver. Vous savez très bien que les animaux sont les premiers alerteurs des catastrophes naturelles. Là, ce n'était pas le cas. L'animal, comme le tremblement de terre qu'on a eu dans notre région, moi je rappelle que je suis en Charente, donc soi-disant l'épicentre était à La Rochelle, les animaux n'ont pas alerté. Il n'y a pas eu d'alerte. L'animal est vraiment un alerteur en cas de catastrophe naturelle. On n'entend plus les oiseaux, on n'entend plus rien. Quand il va se passer quelque chose, on n'entend plus rien. Là, ça n'était pas le cas. Et quand on voit cette photo, ces images de ce chien, moi je vois ce chien et d'autres, hein, d'autres animaux, mais lui marqué sur la route où il est sur le dos avec une patte crispée comme ça, ce pauvre bête, je ne sais pas dans quelles conditions il est mort et combien de temps il est mort, mais il n'est ni brûlé dans le sens propre du terme, ou s'il a été brûlé, c'est juste en surface, mais pas sur l'intérieur, et il ne s'enfuyait pas, on ne le voit pas courir, il n'a pas été réfugié, il s'est pas réfugié quelque part, il était sur la route. Tout le matériel, toutes les voitures, tous les bâtiments, mais complètement brûlés. Essayez de brûler votre voiture pour voir, vous allez mettre du temps, hein, je peux vous le garantir. C'est rasé. Alors qu'est-ce qui a été rasé? Un espace protégé. Protégé culturellement, protégé naturellement, quand on lit à l'espace une protection naturelle, où il n'était pas censé être un espace constructible, sauf dans mes lectures, j'ai appris que s'il y avait une catastrophe naturelle, les personnes pourraient construire dans cet endroit-là. La faille. Toujours chercher la faille, le détail. J'arrête pas de le dire. Eh bien, elle est là, la faille. C'est qu'ils voulaient construire dans cet espace-là. Et donc, ils ont tout rasé pour dire, ah bah ben, oui, vous voyez, il y a une catastrophe naturelle, qui n'est pas une catastrophe naturelle. Maintenant, on peut reconstruire. Et reconstruire quoi? Ben, du béton, des villes, des villas à des prix pas possibles, se faire un pognon de dingue. Enfin, Hawaï, il y a des îles à Hawaï. C'est juste subliminal. Le paradis. Et le paradis, ça attire qui? Toutes ces pourritures qui vont faire en sorte que ce soit des univers, comme j'ai parlé de Saint-Tropez à la dernière émission. Eh bien, comme Saint-Tropez, en Italie, il y a un autre endroit comme ça, on m'en a parlé aussi, et il y en a partout ailleurs où des gens comme LVMH ont mis la mainmise dessus, et tu ne peux pas rentrer. Si tu n'es pas dans les papiers d'LVMH et compagnie, tu ne peux pas rentrer. Tu t'oublies. Tu ne peux pas visiter, tu ne peux rien faire, etc. C'est leur univers à eux. Et il y a plein d'univers comme ça sur la planète qui sont en train de mettre en place. Ce qui veut dire qu'il nous faut détecter ces univers-là pour anticiper des futurs Hawaï. Je le dis mal, mais c'est à Maui. Enfin, je ne sais pas si on le dit comme cela, je ne connais pas la langue. Mais ça s'écrit Maui avec I tréma. Donc il y a toujours beaucoup de disparus, il y a beaucoup de décès, mais il reste aussi des disparus qui n'ont pas été retrouvés, que le gouverneur Josh Green dit déjà nous sommes intéressés pour acheter les terrains, mais pas pour aller chercher les disparus. Veillez au comportement. Le corps ne ment jamais. Ah ben ça y est, maintenant on a fait la razzia, hein, on a mis une arme de destruction massive à énergie dirigée, parce que ça ne peut pas être autre chose. Je vois vraiment pas ce que ça peut être d'autre. Et ça existe depuis très longtemps. Me suis instruite là-dessus. Donc j'ai vu que c'était, je crois, depuis 2012 que c'est utilisé. Hein? Donc ça existe depuis très longtemps. Il y a eu quelques petits tests de droite et de gauche. Pour voir ce qui s'est passé, ça ne peut pas être une catastrophe naturelle. Ça ne ressemble en rien à une catastrophe naturelle. C'est juste pas possible. Et Josh Green derrière qui est valide quelque part en disant bon ben maintenant on va racheter les terres. Sauf que les habitants ne voulaient déjà pas vendre les terres avant, ils ne veulent pas plus les vendre aujourd'hui. Mais les assureurs ne les remboursent pas. Les assureurs ont refusé de les rembourser sans véritable explication. Qui plus est. Qui plus est. Les assureurs et tout ce qui est étatique, en gros, ont dit qu'à partir du moment où il y a une catastrophe naturelle sur cet endroit-là, donc à Maui,
Eh bien oui, là, on serait en capacité de pouvoir construire. Les détails. Toujours chercher la faille et les détails. Et là, on comprend, on a tous les éléments pour se dire, ça a été mis en place exprès. Et vous allez voir que dans peu de temps, à Maui, il n'y aura ni plus ni moins que des très belles constructions de type béton, des villas de type béton, pour d'autres personnalités qui vivent déjà un petit peu sur les hauteurs, comme Oprah Humphrey, je sais plus son nom exactement. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? La montagne de sucre, là. Je crois qu'il y a Ben Affleck, je sais plus, enfin, pas mal de Julia Roberts, pas mal d'acteurs ou de célébrités américaines qui avaient déjà mis leur dévolu sur ce territoire-là, mais au-dessus, où apparemment c'était peut-être autorisé, et pas sur les bords de rive. Je n'ai pas les mots pour ça, parce que ces braves gens, propriétaires, qui vivaient là tranquillement et qui préservaient un bout de nature, ce que l'on cherche nous tous à faire, à préserver cette nature, à la développer, à la laisser vivre, à la laisser s'exposer, à la laisser s'épanouir, à prendre toute son essence sans que nous on la détruise, puisqu'on est le plus grand prédateur qui puisse exister. Ils se prennent une arme à énergie dirigée de destruction massive. On ne leur rembourse rien parce qu'ils n'ont pas voulu vendre auparavant. Josh Green a dit qu'il ne vendrait pas aux étrangers. C'est-à-dire qu'ils vendraient certainement à ceux qui ont déjà un appui sur Hawaï. Toutes les sociétés qui sont peut-être déjà en place, étrangères ou pas. Donc ça veut dire que tout là aussi est prémédité. Ils ont déjà découpé le gâteau en morceaux pour savoir qui, quoi, quand, qu'est-ce et comment. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les analyse, c'est comme ça que je mets en avant ma réflexion, mon discernement par rapport à ça, mes hypothèses, conclusions de comment je vois cette affaire d'Hawaï. Et je me dis qu'Hawaï n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce que quand on regarde tous les feux de forêt, comment ils sont nés les feux de forêt? Là aussi, j'ai vu quelques vidéos. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y avait des impacts à la même distance, vous voyez, sur une ligne comme ça. Vous aviez un impact là, et un impact là, et un impact là. Il y en avait jusque 5, et ils avaient tous exactement la même distance d'écart. Ce qui a déclenché un feu de forêt astronomique, comme on a connu en France, et comme d'autres pays le connaissent depuis pas mal de temps. Jusqu'où iront-ils pour détruire cet espace-terre? Que veulent-ils en faire? Que veulent-ils en faire, véritablement? Je suis passée au Gers, pour ceux qui connaissent, en Haute-Savoie, juste quelques jours. Et les Gers, autrefois, c'était une station familiale de ski, qui était adorable comme tout, qui était charmante. Il y avait un cœur de vie au milieu, il y avait une place où on pouvait se rencontrer, on mettait une patinoire l'hiver, on mettait des manèges l'été, il y avait des petits marchés, c'était adorable comme tout. Béton, 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 béton. Léger, c'est juste immonde aujourd'hui. Qui plus est, il y a un problème d'eau, pour que tout le monde soit alimenté en eau, et de parking qui n'est absolument pas géré. Je suis passée après à Lyon. Même chose. Paris, on le sait, c'est une vraie poubelle. Et combien d'autres villes et villages comme ça? Ils détruisent tout. Ils détruisent tout, 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 tout. Et certaines personnes le savent, mais ne disent rien et ne font rien au nom de l'argent. On parlait de la Corse aussi. On évoquait la Corse, qui était une île, l'île de beauté, hein. Elle portait vraiment magnifiquement son nom. Eh bien, eux, ils n'ont pas besoin d'armes à énergie dirigée ou de destruction massive, puisque ça a été l'argent. Ça a été uniquement l'argent. Ils ont simplement utilisé l'argent en achetant les gens et les terres, en leur autorisant à construire ceci, à faire cela, etc., etc., pour que derrière, tout soit, ils mettent le joug sur tout. C'est qu'aux résistants,
ils en arrivent à des armes de la sorte. C'est avec les résistants, comme ceux de Maui, que nous pouvons que saluer, que nous pouvons que qu'admirer et soutenir au maximum. Mais que va-t-il advenir de cela? Il y a le côté spirituel qu'il va falloir mettre en avant. Parce qu'il y a des peuples comme ça, comme les Hawaïens et ailleurs, des peuples qui sont, comment dire, très spirituels, qui ont des histoires, qui ont des comportements et des attitudes qui sont liées à leurs ancêtres, ce qu'on leur a appris. Et faire le mal pour le mal, à un moment donné, ça se retourne contre eux. Donc que va-t-il se passer quand ils vont reconstruire sur Maui? Qu'est-ce que les ancêtres et les énergies vont faire? Eh bien, j'espère qu'ils feront tout ce qui est nécessaire. De tout cœur. De tout cœur. Voilà ce que je voulais dire. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent. Je pense qu'il faut vraiment que l'on mette en avant nos esgourdes, nos esprits analytiques pour se dire c'est quoi la prochaine cible, partout où nous sommes, et d'essayer d'anticiper cela autant que possible, si c'est possible, mais en tout cas de bien comprendre quels sont leurs desseins, pourquoi ils veulent faire ça, comment ils veulent faire ça, et de quelle manière ils veulent faire ça. C'est quelque chose qui, à mon sens, devait vraiment être mis en avant. On va partir maintenant sur la, passer maintenant sur la partie actualité. Alors, je vais noter que le Forum économique a évoqué que tous les humains porteraient un uniforme. Tous les humains porteraient un uniforme. Est-ce que vous vous rappelez que dans plusieurs émissions, j'évoque les vêtements, qu'ils sont en train de faire en sorte que les vêtements pour les hommes et les femmes soient les mêmes? Et que je vous avais dit qu'il serait bien que la féminité reste. Je vous l'avais dit tout cela. Nous sommes d'accord ou pas? Je pense que oui. Mais plus que jamais, plus que jamais. Mais... Et quand vous regardez, c'est que les mêmes vêtements partout. C'est que les mêmes types de vêtements dans tous les sens. Que vous allez dans n'importe quelle boutique, c'est toujours la même chose. Donc non. Non, 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 non. Donc je réitère qu'il faut absolument, mais vraiment impérativement, trouver des solutions pour plus originaux dans notre façon de nous habiller, hommes et femmes. D'être beaucoup plus féminine, mesdames, parce qu'on a perdu ce leadership aussi. Aux États-Unis, pas aux États-Unis, pardon, en Italie. Je parlais de l'Italie tout à l'heure. Les femmes sont nettement plus élégantes qu'en France. Très nettement plus. Et les hommes aussi. Et on peut se bien s'habiller avec de petits moyens. Mais l'essentiel, c'est d'être autant que possible féminin et masculin dans cette représentativité, parce que ça nous évitera de devoir à supporter cet uniforme en question. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais j'avais prévenu. J'ai vu aussi l'autre jour, j'observais des enfants qui sortaient des écoles il y a quelque temps, et j'étais mais effarée, vraiment effarée de voir le comportement et la tenue des enfants. Beaucoup d'enfants en surpoids, probablement parce qu'ils restent beaucoup devant la télévision et chez McDo. Par exemple, aucune classe, aucune élégance, aucun. C'est, je peux même pas dire qu'ils étaient attifés, tellement c'était immonde, mais vraiment immonde. Je ne sais pas s'ils sortaient d'un atelier de crosse ou de quelque chose qui autorisait une telle tenue. J'arrive pas à l'imaginer parce qu'elles n'étaient pas homogènes, les tenues, et elles n'étaient pas sales. Dans le sens propre du terme. Mais vraiment, mais c'était. Mais à tourner la tête, tellement. C'était moche. Mais hideux, même. Hideux. Hideux. C'est ça qui va prendre la relève après. Bah, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux l'uniforme. Déjà, l'uniforme, au moins, c'est un peu plus propre. Et c'est vous qui voyez. Bon, je rappelle qu'on va faire une émission sur la féminité avec Anne Lallemand. On va l'enregistrer bientôt. Et il y aura certainement plusieurs émissions sur ce sujet-là, parce qu'il y a énormément à dire, de parler de la féminité, qui ne passe pas que par les vêtements, hein, bien évidemment. Mais les vêtements sont une image de cette féminité. Alors, on parle aussi des soldats qui manquent en Ukraine, sans blague. Ils n'ont plus de chair à canon. On a vu aussi pas mal de vidéos
de personnes qui disent qu'ils voulaient combattre aux côtés de l'Ukraine, qui se sont rendu compte que c'était une boucherie, que c'était une guerre sans nom, c'était du n'importe quoi. Oui, bah c'est bien comme ça, vous découvrez ce que c'est que l'Ukraine et comment ça se passe depuis bien avant que Poutine a protégé ses, et protégé ses frontières, puisque ça fait maintenant, ça doit faire 8 ans maintenant que le Donbass est en guerre. Donc oui. La problématique qu'on risque de rencontrer, c'est qu'ils vont faire du recrutement en France comme ils font en Ukraine, c'est qu'ils chopent les garçons dans la rue, hein, ils chopent les hommes, les jeunes hommes ou plus ou moins jeunes dans la rue pour en faire de la chair à canon. Je crains que ça arrive pareil en France, puisqu'il y a une petite loi qui dit que si tu n'acceptes pas, on peut tout te retirer, y compris tes biens. Ah, dictature, quand tu nous tiens, c'est ça, quand on a une telle dictature. Alors, j'ai lu aussi que Jean Lassalle avait été victime d'agressions sexuelles. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était un agresseur sexuel. J'avais envie de vous dire MDR, mort de rire, pour ceux qui connaissent pas. Non, pas attends. Jean Lassalle qui aurait agressé quelqu'un sexuellement. Là, non, là, c'est pas du tout dans le profil. Alors, soit il était complètement pété, le gars, et il se rappelle pas de ce qu'il a fait, c'est possible. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à le croire parce que c'est pas du tout dans son profil. Vous voyez, c'est le genre de fausses affaires qu'on met sur le dos pour pouvoir détruire quelqu'un, le mettre de côté parce qu'il a osé dire quelque chose qu'il fallait pas, ou osé faire quelque chose qu'il ne fallait pas pour tous ces cas balistiques. C'est typiquement ce genre de choses qui existent depuis très longtemps. Je réitère que moi-même j'ai subi cela pour d'autres chefs d'inculpation qui étaient complètement faux et sans preuve. Et ben voilà, c'est l'exemple type. Et à qui le tour, j'aurais tendance à dire. À qui le tour? Enfin, lui, il est encore en vie. Parce que je crois que c'est difficile de dézinguer certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça dézingue bien. Je dis ça, je dis rien, mais par exemple, Gérard Leclerc, c'est tout frais. Bon, Gérard Leclerc. Mais il était bien chez CNews. Et puis, il n'est pas du tout wokiste. Pas du tout wokiste. Pas du tout, du tout, du tout. Aux côtés de Pascal Praud, l'émission qui est la plus... comment dire, honnête journalistiquement parlant, si je puis me permettre, avec Christine Kelly. C'est à peu près les émissions, c'est les moins pires, entre guillemets, des médias mainstream. Il y a quelques temps que je ne les écoute plus, parce que je réitère, je ne regarde pas la télévision. En tout cas, pas pour ça. Toujours est-il, c'est que c'est bizarre, quoi, que Gérard Leclerc ait eu un crash d'accident. Bon, peut-être que je deviens parano, hein, mais on pose quand même la question. Alors, on vient revenir aussi encore une fois sur l'élégance de la culture parisienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué la poubelle de Paris, hein, qui est la capitale du monde, qui est la plus poubelle avec Tananarive, entre autres. C'est une femme qui ne sait pas ranger, balayer, qui ne sait pas entretenir son intérieur, hein, c'est très clair. Mais on a perdu aussi ce parisien. Parce que moi, je suis parisienne, hein, à plusieurs générations. On a perdu ce côté parisien. Quand je vois des gens avec des 75 aux fesses qui déboulent là sur les plages, qui nous donnent des leçons et des ci et là, sors ta carte d'identité, on va rigoler. Où est-ce que t'es né? On va rigoler. Quasiment pas. Il y en a quasiment plus. Le propre même d'une capitale, c'est fait pour évoluer. Mais là, ça n'évolue pas. Hein. Ça périclite quelque chose de monstrueux. Paris, c'est immonde. C'est immonde, immonde. Je ne sais même pas comment les gens arrivent à vivre là-dedans. On avait un langage à Paris, on avait une culture, mais beaucoup de gens ne le savent pas, ils se disent il y a le langage breton, basque, corse, alsacien, les ch'timis, la Corrèze, etc., etc. Non, nous aussi les Parisiens, on avait un langage. Le haut-diard représente bien notre langage. Franc-parler, vous me connaissez, vous savez que j'ai un franc-parler. On n'envoie pas dire ce qu'on a à dire, et puis quand c'est quelque chose nous plaît pas, l'expression dit si tu continues à m'énerver, je vais te faire avaler ton bulletin de naissance. C'est une des expressions qu'Audiard disait notamment, et nous on l'utilisait nous-mêmes. On a plein d'expressions comme ça qui sont cash de dire en gros t'arrêtes de nous gonfler, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, vous voyez bien, ceux qui me connaissent savent très bien que je suis exactement dans ce même état d'esprit. Tout ça est parti. Bon, le politiquement correct y a beaucoup contribué, certes, ce qu'on a implanté dans les entreprises avec ce management de la médiocrité, entre autres,
Et l'interdiction de parler comme ceci, comme ça, c'est pas bien, faut pas dire des vérités comme ça peut blesser. Ouais, d'accord, mais moi j'ai le droit de recevoir par contre des choses qui me blessent et sans pouvoir me défendre. Non, ça marche pas, ça marche pas du tout. Il y avait toutes ces cultures, mais il y avait aussi cette élégance, cette éducation, cette notion de partage. Le Parisien était beaucoup dans le partage. Il y avait toujours le frigo plein, il y avait toujours une place à table. Il y avait toujours. On parle beaucoup de cela dans la campagne, mais non, ça existait aussi dans d'autres endroits. Il y avait la notion du quartier. On vivait dans nos quartiers et on ne faisait pas de guerre au quartier d'à côté. C'était pas du tout comme ça, mais on avait cette vie, cette cœur de quartier. On aidait les voisins. Il y avait vraiment une communauté qui était plutôt très humaine, avec son propre langage, sa propre culture, sa propre façon même de s'habiller, cette élégance parisienne qui n'est plus, hein, je l'ai dit juste avant, mais il y en a encore qui la portent, et je pense en faire partie, et j'y tiens. On n'a plus tout cela. Et en fait, là, c'est pareil, c'est cette notion de vouloir donner à tout le monde la même chose, que tout le monde vive la même chose, parle la même chose, s'habille de la même manière, mange de la même manière, se comporte de la même manière, travaille de la même manière, et ainsi de suite. C'est pas possible, on ne peut pas, parce qu'il faut des différences pour être plus performant, pour améliorer certaines choses, pour apprendre, pour s'enrichir, pour échanger, pour se dire ah ben ça finalement ça ne me convient pas, et ainsi de suite. Donc on revient à la notion de gender, où tout le monde doit être linéaire, homme ou femme, exactement pareil, de la même manière. Alors, sauf si tu es LGBT et gay, là tu as le droit de te différencier, là, ah oui, là, tu peux y aller à fond la caisse. Autre sujet, Franck Afrique est définitivement morte. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je mets en avant que l'Afrique va se réveiller, que l'Afrique va se dissocier de la France. Ben, c'est fait, enterré. On est même mort, dans la France-Afrique, elle est même morte, vivante. Hein, parce que c'est chaud. On peut dire les choses comme elles sont. Et pour autant, elle n'a pas acquis une véritable indépendance parce qu'elle s'est rapprochée de la Russie, ce qui est une très bonne chose. La Russie a beaucoup plus de finesse dans les partenariats que la France ne l'avait dans la spoliation. Mais elle n'a pas encore réussi à avoir cette indépendance. Et je me demande si un jour l'Afrique arrivera à avoir une certaine indépendance. Je me pose cette question-là. Peut-être certains pays, peut-être certaines cultures, certains peuples, mais je n'en suis pas si certaine que ça. Donc on voit ce qui se passe au Niger aujourd'hui, au Sénégal. Hein, donc là, ça chauffe parce que. Alors ça chauffe plus dans les bureaux que dans les rues, hein, contrairement à ce qui est dit un peu à droite à gauche, des éléments dont je dispose encore une fois. Mais ça chauffe sérieusement parce que les gens ne veulent plus de ce blanc dictateur, dominateur. Et il a raison. Il a raison, l'Africain, de faire ça. Il a raison d'avoir été autant spolié alors que c'est un des continents les plus riches. Il faut quand même arrêter, quoi. Mais à tous nos amis africains, et je dis bien nos amis, même ceux que je ne connais pas, ce n'est pas nous qui avons décidé. Nous, on n'y est pour rien. On est dans la même situation que vous, même voire pire, parce que nous, on ne peut même pas la prendre encore, notre indépendance. On ne peut pas chasser encore le truc là qui squatte l'Élysée. On ne peut pas encore. Et puis tous ces sbires et tous ces. On ne peut pas. Donc du coup, on est drôlement enquiquiné. On est beaucoup plus coincé, mais on est avec vous. Que vous refusiez le gouvernement et tous ces sbires et tout ça français. On a le même combat. On a le même combat, mais le français en soi, il n'est pas contre vous. Et je pense qu'il ne l'a même jamais vraiment été. On n'y est pas. On ne fait pas partie de vos ennemis. Nous n'en sommes pas. Et acceptez-le. Parce que. Enfin, moi, personnellement, je n'entrerai pas en guerre dans ces sujets-là contre un Africain. Hein. C'est hors de question. C'est hors de question. Parce que je suis blanche. Et parce que je suis française. Hors de question. Moi, ça ne marchera pas. Qu'on se l'entende. Mais travailler un peu cette indépendance, c'est une semi-indépendance avec la Russie et la Chine, c'est surtout la Russie, parce que c'est plus la Russie qui a implanté en Afrique noire. C'est une semi-indépendance. Donc on voit bien que l'Afrique noire a encore du mal à vraiment s'autonomiser totalement. J'ai noté également sur les routes dernièrement beaucoup d'immatriculations ukrainiennes. Alors j'ai vu qu'une seule voiture ukrainienne de pauvre, hein. C'était une DS 3 ou 4. Je pense que vous avez compris. J'ai vu beaucoup de Cayennes,
beaucoup de Porsche en fait, beaucoup de Porsche de type Cayenne, des belles Porsche quoi, en fait, ukrainiennes, qui donc ont envahi notre pays. Et notre façon de vivre, et notre art de vivre, et notre quotidien, hein, parce que vous voulez vous détendre à un endroit, ben, ils ont pris la place, donc les gens sur place disent non, non, faut pas les déranger, ces pauvres Ukrainiens, mais enfin, moi je veux parler l'autre fois d'une piscine spa, quoi, un truc comme ça. Je disais à la qu'on appelle ça, celle qui surveille, hein, enfin bref, une sauveteuse, ou je sais plus comment on appelle ça. Je dis, mais vous avez remarqué la beauté des maillots de bain, les bijoux en or qu'ils ont partout, comment ils sont bien coiffés, les coiffures, etc. Regarde, me dit, ah oui, maintenant que vous le dites, je dis, hein, vous croyez que ce sont des pauvres Ukrainiens? Et oui, je dis, bah, ils squattent le jacuzzi depuis je sais pas combien de temps, on n'a plus de place, on ne peut rien faire, personne ne peut y aller, ça fait 1 heure. Et il n'y a pas un moyen, à un moment, de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ici, ils sont en France. Elle me dit, ah oui, mais non, on ne peut pas, on peut rien faire, on peut rien faire. Ben moi, j'y suis allée, puis je leur ai dit, écoutez, moi, poussez-vous parce que moi, je veux prendre ma place. Voilà, ça ne leur a pas plu, hein. Mais j'ai parlé en français, j'ai pas voulu parler en anglais, j'ai rien voulu faire. Puis je leur ai dit, je comprends pas, mais poussez-vous. J'ai fait ça comme ça, j'ai fait le geste, poussez-vous. Ils sont poussés. J'ai la tête, je n'avais rien à faire. Le danger, c'est pas ça, hein, la place de jacuzzi ou la place de je sais pas quoi, on s'en fout. C'est pas trop ça le danger, même si ça les mate un petit peu de leur faire comprendre que nous, tout le monde n'est pas pro-ukrainien. Parce qu'on leur a certainement fait croire qu'en France, ils avaient toute la possibilité de faire ce qu'ils voulaient dans la mesure où il y a juste une petite poignée d'élite qui est pro-ukrainien. Nous, on n'est pas pro-nazi. On a bien compris. C'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont libre cours de faire ce qu'ils veulent en France. Ça veut dire que les délits qu'ils font en Ukraine, c'est des délits qu'ils peuvent parfaitement faire en France. Et en toute quiétude, dans la mesure où la France est quand même pédolande. Je dis ça, je dis rien. En gros, sur notre propre territoire, on n'était déjà pas en sécurité, mais comme on est envahi par un ennemi qui est extrêmement virulent et mauvais, j'aurais tendance à dire, soyons extrêmement plus prudents, surtout vis-à-vis des enfants. Petite information que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Alors celle-là aussi, elle est pas mal. M'a sidéré. Le SDIS, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, que je respecte beaucoup, et ça n'a rien à voir contre les sapeurs-pompiers. Attention, ce que je vais dire, c'est pas, je ne suis pas en opposition avec les sapeurs-pompiers, bien au contraire. J'ai appris quelque chose. Vous savez, à la fin d'année, quand ils viennent chercher un peu d'argent avec leur calendrier, là, qu'on leur donne de l'argent, ce qui me semblait totalement normal, légitime. Je me suis dit, tiens, c'est pour qu'ils se fassent un super Noël entre eux, une bonne petite fête, un bon petit repas, etc. Alors, il y a peut-être ça, hein, mais il n'y a pas que ça. J'ai appris qu'en fait, ils s'étaient payés des super logements, qu'ils pouvaient profiter de super voyages. Ça tourne comme ça. Tiens, moi, je vais aller aux Arcs, moi, je vais aller sur la Riviera, tout ça, et voilà. Ça tourne comme ça. Cet argent sert à ça. Moi, ça m'a scotché. Vous, peut-être pas, mais moi, ça m'a scotché. Je me suis dit, ok, ben, je crois que le calendrier, c'est pas la peine de venir sonner. Il n'y aura plus rien. Je ne participe plus à cette forme de corruption parce que, en fait, c'est une forme de corruption dans la mesure où, sous une forme de légitimité, ils ont le droit de faire parce que c'est un truc. Enfin, on ne contrôle pas, en fait, les pourboires, les dons, comme ça. C'est pas contrôlé. Et ils cumulent, et du coup, ils achètent comme ça. Et ça appartient à qui? Je ne sais pas. Je sais pas. Une association de SDIS, enfin de toute façon c'est lié aux pompiers, hein. Ça c'est clair que c'est lié aux pompiers. Donc moi ça m'a un petit peu sidéré en fait. Je savais que pour la Croix-Rouge il y avait des trucs comme ça, je savais que pour Médecins sans frontières c'était pareil, mais j'aurais pas pensé les pompiers, voyez-vous. Mais en fait j'ai l'impression que c'est tout, tout qui est corrompu, absolument tout qui est corrompu. Catastrophique, hein. C'est vraiment, vraiment catastrophique. Ensuite, alors j'ai vu dernièrement, on m'a envoyé sur mon canal Telegram justement, cette information d'un, comment on appelle ça, d'un délinquant virtuel majeur, une quarantaine d'années, je crois que c'est un quadra suisse, et qui est allé en prison parce que son avatar violait une gamine virtuelle. Vous allez me dire comment c'est possible? Bah oui, c'est que derrière l'écran, il faisait des actes ou il obligeait la personne à faire des actes
pour assouvir une pulsion sexuelle. Et ça lié à ma théorie d'avatarisation. Une théorie scientifique qui est étudiée, c'est celle qui est la plus étudiée de toutes mes théories dans les autres universités à l'étranger. Parce qu'en France, on s'en fout. En France, on est les meilleurs du monde, on n'a pas besoin de ça. On connaît tout, on sait tout mieux que tout le monde en France. Donneur de leçons en plus. Bref, et cette théorie, elle fait vraiment l'objet de beaucoup d'études depuis que je l'ai sortie. Donc ça doit être 2015 dans mon premier livre et puis 2017 dans une publication scientifique. Et ainsi de suite, dont aussi mes conférences scientifiques que j'ai faites. D'ailleurs, on m'en demande toujours d'en faire. L'avatarisation met bien en avant que derrière l'écran, derrière l'outil connecté, on peut s'autoriser certains comportements qui parfois se reproduisent dans le réel. Donc lui, il ne l'a pas vraiment fortement reproduit dans le réel, quoique ça a vérifié, en tout cas pas sur la victime en question, mais il l'a reproduit dans le virtuel et c'est une condamnation qui est pour moi presque une première, parce que c'est pas évident de condamner quelqu'un qui commet de tels actes dans le virtuel. Donc ça appuie cette théorie sur l'avatarisation, hein, qui est disponible sur nadinetouzeau.com. Toutes mes théories sont disponibles à ce niveau-là. Et je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de creuser la question, pour ceux qui veulent s'y intéresser, de connaître et comprendre le comportement des personnes derrière l'outil connecté. Toutes mes théories sont, basées là-dessus. Toutes mes théories scientifiques, en tout cas celles que j'ai divulguées, et permettent de comprendre qu'il y a un véritable danger. Tout est connecté aujourd'hui. Or, personne ne veut vraiment s'instruire sur le sujet. Personne ne veut vraiment. Enfin, il n'y a pas grand monde en tout cas. Puisqu'on se dit, oh, mais t'inquiète pas, j'ai mon VPN, tout va bien se passer. Mais non, un cybercriminel est un être humain, je le rappelle. Donc, de fait, vous pouvez mettre toute la technique que vous voulez, ça se déjoue. Et en plus, c'est des copier-coller. Donc, à partir du moment où c'est des copier-coller, il y a donc une intrusion qui va forcément se copier-coller elle aussi. Une faille qui va aussi se copier-coller, et ainsi de suite. Il faut s'auto-protéger soi-même, il faut s'auto-former. Pour éviter ce genre de difficultés dans la vie de tous les jours, ne pas se faire alpaguer d'une manière ou d'une autre. Je parle de ça, mais il y a des tas de cyberactes malveillants, ce qu'on appelle la cybercriminalité, et qui fait que on en arrive, voilà, à une telle situation qui joue un rôle derrière l'outil connecté. Et il joue même quelque part un peu ses propres pulsions, hein, parce que c'est quelqu'un qui avait déjà été condamné, ce quadrant en question. Il avait déjà été condamné pour des actes déviants sexuels. Mais ça autorise derrière à dire l'écran, on ne me verra pas, on ne me trouvera pas. Bon, si, on trouve toujours, hein, d'une manière ou d'une autre. On ne vous voit peut-être pas toujours, mais on peut quand même vous voir. Ceci étant, lui, il avait choisi un avatar proche. Un avatar, c'est l'image donc proche de qui il est. L'avatarisation, c'est une théorie qui est basée sur la notion de l'avatar, c'est-à-dire je joue un rôle derrière l'écran, et donc il y a des tas de façons de jouer des rôles, il y a des tas de manières en fonction du profil, des objectifs, des attentes, etc., etc., qui fait que on n'est pas, comment dire, enfin c'est très complexe en fait, c'est une théorie qui est très complexe en fonction, c'est du cas par cas, en fait, comme tout ce qui est humain, de toute façon, tout ce qui est humain, c'est comme ça, que ce soit dans le réel ou dans le virtuel. Voilà, donc j'étais contente quelque part de voir cela parce que c'était un très bel exemple pour illustrer cette théorie-là, cette théorie scientifique. Nous arrivons à la fin de cette émission, une petite émission qui est très bien comme ça pour tout ce que j'avais envie de dire. Donc la rentrée va être forcément très difficile. Je l'avais dit que ce serait une année chaotique, vraiment difficile, où c'est du coup par coup, où il ne se cache plus mais à un point violent, de très violent. C'est pas une guerre dite classique où on identifie son ennemi et on sait comment était l'ennemi et où on connaît les lignes directrices de l'ennemi, on peut même l'identifier physiquement. C'est ce que j'expliquais avec la notion de la mafia, on est dans le même état d'esprit. C'est une guerre qui est extrêmement sournoise, qui est également spirituelle bien évidemment, mais surtout très sournoise parce qu'on ne sait pas quand et comment ça va tirer. Là, on peut constater une chose, c'est qu'ils nous ont privé au maximum du soleil. Aujourd'hui, il y a quelques nuages, mais il y en a. Mais on peut considérer qu'ils ont aussi tenté de nous priver du soleil, en tout cas en France. Il y a beaucoup de chemtrails, il y a beaucoup de choses un peu bizarroïdes qui se passent. Je parlais du tremblement de terre qu'il y a eu ici. Voilà, on ne sait plus comment ça va se passer, de quelle manière ça va se passer. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Il faut qu'on anticipe autrement, il faut qu'on remette en question et en cause notre approche défense, notre approche attaque,
notre approche combat, de façon à être plus performant et plus dans le prédictif possible au regard de toute cette, comment dire, ces coups d'avance qu'ils ont et cette pratique qu'ils ont, c'est sans foi ni loi, hein, c'est vraiment sans foi ni loi, ils sont prêts à tout pour dézinguer au maximum. Mais ils ont déjà les cibles que nous ne connaissons pas tous, ils ont déjà les objectifs que nous ne connaissons pas tous, et il faut qu'on anticipe au maximum. Donc soyons vigilants, observons, donnons l'information à qui de droit, aux gens éveillés, aux gens qui sont du bon camp, pour dire derrière, j'ai observé ceci, j'ai vu cela, il y a des gens qui ont des esprits analytiques aiguisés comme moi, plus ou moins, peu importe, mais en tout cas, ou vous-même, de pouvoir se dire derrière, voilà ce qui risque de se passer, voilà ce qui peut se passer, et on va essayer de mettre en avant ces choses-là pour qu'ils ne puissent pas le faire. Pour qu'ils soient grillés avant de le faire, en fait. Parce que ça j'ai remarqué, ils ne feront pas. Et là, si à Hawaï, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que c'est loin de chez nous, mais déjà, si on peut le faire en France et autour de la France, ou en tout cas dans des régions où des gens connaissent, on peut essayer de faire quelque chose pour dire, attention, il risque de se passer ça, et de véhiculer l'information de façon à ce qu'ils se voient qu'ils ont été démasqués. Et là, on a des chances de marquer des points. Parce qu'il faut qu'on marque des points. On va aller vers du plus dur encore. Je peux vous garantir qu'on n'a pas encore tout vu. Parce que je le sens, parce que je l'avais prédit depuis quelque temps, je ne sais pas si on peut appeler ça des prédictions, mais ça fait presque un an, un peu plus d'un an que j'avais évoqué cette année chaotique, que ça irait peut-être mieux en fin d'année. Je pense encore que ça pourrait aller mieux en fin d'année, parce qu'ils n'ont pas encore lâché tous les chevaux. Et il va falloir faire barrage à tout ça. Donc prudence, prudence, prudence. Beaucoup de gens pensent aux vacances. Ok, c'est bien, reposez-vous. Ok, super. Pour ceux qui peuvent, tant mieux. S'il vous plaît, rappelez-vous qu'on est en guerre. Une guerre comme nos parents n'ont jamais connue, comme on n'a aucune référence dans l'histoire, de ce qu'on nous a autorisé à apprendre de l'histoire. Soyons très prudents. Mais c'est une guerre. Une vraie guerre. Et il serait temps que plus de gens se comportent comme tels. Ce que moi personnellement je fais et d'autres font, mais je pense qu'il serait temps qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui se comportent comme tels. C'est pas de mettre une psychose ou de la peur, c'est de se prémunir, d'être dans le prédictif, c'est de ne pas subir en cas d'eux, de ce qu'ils vont faire de plus en fait. Et puis de mettre un petit peu une casquette combat aussi quelque part, et on peut combattre de plusieurs manières. Et notamment, justement, en évitant que certaines choses arrivent, par exemple. Par exemple. Il y a d'autres choses auxquelles je ne pense pas, qui pourraient être pertinentes également. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai pas l'intention de terminer sur quelque chose qui énergétiquement soit bas. C'est pas le cas. Je préfère être objectif et honnête avec ce qu'il en est. La chose qui est sûre, c'est qu'ils sont à mal, vu qu'ils se dévoilent énormément, vu qu'ils font, ils se cachent plus et qu'ils mettent le paquet, c'est qu'ils sont très mal. C'est qu'ils n'arrivent plus à maîtriser eux-mêmes de leur côté, donc ils lâchent, comme je disais, ils lâchent les chevaux en fait. C'est que ils tapent de partout, histoire de dire, on les aura. Ouais, mais nous aussi, on vous aura. Nous aussi, parce qu'on aura le dessus d'une manière ou d'une autre, on aura le dessus, on va y arriver. On va y arriver. Et il faut s'accrocher, il faut continuer à s'élever. Parce que l'éveil n'est pas forcément une élévation. Il y a beaucoup de gens qui se disent éveillés, mais qui ne le sont pas véritablement. Et puis il y a des personnes qui se disent éveillées, mais qui n'ont pas envie de combattre et qui ont envie de retourner à l'ancien monde. Vous oubliez, vous zappez, terminé. Ça, c'est fini. Donc continuons, on se serre les coudes, on crée nos égrégores, on crée nos réseaux. On se protège, on s'auto-protège, on ne cherche pas à valoriser son image pour valoriser son image, on s'en fout de ça. On est tous un maillon essentiel dans ce combat, avec des maillons plus ou moins forts et puis des maillons qu'il faut essayer de mettre de côté. Parce que là, il y en a plein qui essayent de tirer la couverture en faisant encore des choses qui sont de l'ancien monde, qu'on ne veut plus. Il va y avoir, je pense, des moments encore très, très, très difficiles, peut-être même pire que ce qu'on a connu. Je pense, moi je le sens comme ça, je le vois comme ça, je l'ai analysé comme ça, de comment ils évoluent. Hawaï, par exemple, il n'y a pas qu'Hawaï, hein, parce qu'ils nous en ont fait voir d'autres.
Ah oui, c'est encore plus puissant là. Ça monte, ça monte, ça monte, et je pense qu'ils vont continuer comme ça. D'une manière ou d'une autre, on va s'en prendre plein la tronche à la rentrée. Donc prudence, prudence, prudence. Ce qui moi me fait peine quelque part, c'est pour nos jeunes et pour nos anciens. Les jeunes, c'est quoi l'avenir? C'est je vais où, je suis quoi, je suis pourquoi je suis née là comme ça? Bon bah vous trouverez de toute façon votre cœur de mission à un moment ou à un autre. Et les anciens, ils ont plus la force. Faut les protéger, faut les aider aussi. Les plus fragiles, les malades, les gens qui sont, oui, fragiles tout simplement. Et puis les animaux, parce que c'est souvent ceux qui trinquent aussi. C'est ou la nature, ça, enfin, et ou la nature. C'est souvent ceux qui trinquent et enfin, c'est quelque chose qui. Mais on va y laisser des plumes. Peut-être même moi. On va tous y laisser des plumes. C'est jusqu'à notre vie, peut-être. C'est comme ça. On est en guerre. Pas faire une guerre propre, on le voit très bien. Mais c'est une guerre qui est terriblement sournoise. Et il vaut mieux être objectif, parce que être objectif, c'est une façon d'être aussi positif, parce qu'au moins, les claques, elles n'arrivent pas de la même manière après. On se dit, bon, ok, hein, je suis prêt, j'y vais. Je l'attendais pas celle-là, mais ok, après tout, au point où on en est, pourquoi pas, et ainsi de suite, en fait. Et c'est plus positif comme conclusion que vous ne pouvez l'imaginer. Force et honneur. Que la force soit avec toi, comme disait Maître Yoda. Et elle l'est. On a tous de la force en nous. Il faut juste la travailler et la développer. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de mois d'août et une belle rentrée si d'ici là, nous n'avons pas fait d'autres émissions, puisqu'il y a quelques invités à venir dans mes émissions et des invités qui me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dont un ancien ami de la Défense aussi qui a accepté de faire une émission avec moi sur la cyber justement. On va parler un peu de tous ces dangers. Et puis Anne, comme je vous disais, pour les femmes et d'autres encore qui vont venir au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.